Alors là, ils sont plusieurs Québécois, la frontière franco-belge. Bon, pour l'instant, je suis un peu pris, je vais pas prendre le micro là dans l'immédiat. Quoique je dis ça, mais bon. Et 73-51 à tous, 14 km 33-01, Rémi Dandy 33. J'adore leur accent. Julien de Limoges, dans les Laurentides, Saint-Lin, les Laurentides précisément, si ça peut te donner une situation. C'est très, très bon. Mes salutations, 7-3-8-51 familial à tous, sur la fréquence de Jean-Luc du côté des Laurentides. Ben, vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Vous voyez ici, il fait moins 6 ce matin, puis c'est très bon. Ça tombe bien. Je craque du coup. Breakover. Voilà. Oh, ça marche. C'est noté pour 012, la station Papa Tango ou Alpha Tango, à nouveau, c'est noté aussi.
Je dois être le seul à dire breakover. Non, je suis pas une lumière à ce point-là, je l'éteins. Ah la vache, comment il passe lui sur le Canada? Tiens, il jongle d'une langue à l'autre comme ça, je sais pas comment il fait. J'ai qu'un cerveau, je parle qu'une seule langue. Ah. Oui, c'est ça, c'est ça. Si Siri se reprend à 23 fin des tours, Siri, il n'y a pas de souci. Rémi 14, 14 kilomètres, 3-0, Rémi Tandiste, la Gironde, mon ami, Frangin en avant. Merci pour le micro. Enregistré Michel qui a lancé un break aussi depuis le département de la Gironde. Les 73-51 à l'ensemble du Québec, parce que je sais que tu n'es pas seul du Québec. Tu as un voisin qui est avec toi aussi, à qui j'envoie également les 73-51. J'en profite pour envoyer la bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO locaux DX. Plein de bonnes choses également à tout le monde, et surtout du côté du Québec. Tiens, vu la météo que vous avez, vous pouvez aller faire du ski, vous. Nous, on peut pas. Enfin, du moins, moi, sur la Gironde, je peux pas. Quoi. Alors, vous avez beaucoup de chance et que ça continue comme ça. Hachi. Oui. Hey, merci beaucoup. Salutations, Rémi Jean-Luc 2505. Juliette Lima, côté des Laurentides. Ben, salut et tout ça, c'est une très bonne année. Très, très bonne année cette année. Santé, c'est ce qui est important. Ta famille et tout, oui. Ça fait plaisir de reparler avec toi, mon ami Rémi Jean-Luc, du côté des Laurentides. Fait plaisir. Salutations. Oh oui. Merci beaucoup, tout ça à nouveau retourné, ça fait plaisir de te rentendre à nouveau. Et puis surtout, cet accent du Québec, ne le perds jamais. Ah oui, oh oui monsieur. C'est à chaque fois, c'est un réel plaisir de vous entendre en fréquence. C'est, je vais dire une connerie, vu la température qu'il y a chez vous, c'est chaleureux. Retour Jean-Luc. Eh bien, toi, de mon côté, c'est du 9 degrés là qu'il y a là sur le QTH. 9 degrés là sur la Gironde, mais bon, avec un ciel gris. Attends, je relâche le micro, je peux plus. Oui,
Alors le Québec, nous en France, on appelle ça être de Marseille. J'avais la connerie dans la peau à ce moment-là. J'avais effectivement de la connerie dans la peau là, à ce moment-là, quoi, en voyant la neige. Ah. Oui, la frontière franco-belge, les bains de 73, 51 retournés, 14 km, 33-01 Rémi, en espérant que tu as un beau soleil, de, j'allais dire, de l'île de la Réunion. Non, là, ce serait une mauvaise blague à faire, vu la météo qu'ils ont de leur côté. Allez, un beau temps des Antilles de ton côté sur la frontière franco-belge. Ah oui, c'est clair. Alors moi, de mon côté, toi, j'arrive pas, j'ai énormément de mal ou quasiment pas à t'entendre en direct. Par contre, je t'écoute très très bien, très fort sur le web SDR de Ottawa. Son poste a refroidi un petit peu. Je l'entends pas. Là. Il est où? Ah, si, je l'entends. La frontière franco-belge, je l'entends un peu. Ce sont très Joël. En avant, Gilles. J'ai eu l'impression que Gilles ne l'avait pas entendu. Quoique, moi, il y a un truc que je crois qui m'étonnera toujours. Gilles, il entend des trucs là où personne n'entend rien. Et il répond, il donne l'indicatif et tout. Je suis bleu. Mais. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez prendre une station,
Tu me défonces le poste, Gilles. Salut Michel. Merci Greg, Brésil. Ouais, excuse-moi, je disais QSY Brésil. Parce que là, c'est vrai que là, ils surmodulent. Ça surmodule tout le monde. Désolé.
C'est la guerre des ondes reprend. Bon, comment casser un QSO en une leçon? L'appel? Non, j'ai mal compris. Oui, c'est ça pour le sport national. Hey, Jean-Luc, peux-tu monter ton micro-gain un petit peu, ton micro-gain? Oui, ton micro-gain, oui. Oui, j'ai monté le micro-gain, oui, j'ai monté, Gilles. Ok, ben, ça peut mieux, parce que moi, sur moi, là, c'est comme si tu t'enlèves très loin du microphone. Ouais, pareil. Ah, le hockey sur glace. Ouais, je m'étais peut-être trop approché aussi. Ouais, c'est mieux, ouais. Ah, moi, j'ai rien dit, moi. Non, non. Par contre, effectivement, c'est vrai que pour Jean-Luc, c'est mieux, là, déjà, au niveau de la modulation. Avant ça, ça faisait un petit peu loin aussi. Mais autrement, non, autrement, j'ai rien dit avant ça. Alors les stations, n'oubliez pas de regarder l'heure de votre QSO. C'est le meilleur moyen pour retrouver le passage après dans la vidéo. Si vous ne voulez pas vous taper toute la longueur de la vidéo. Les gens, on a tendance à l'oublier tellement qu'on va pour les autres.
Québec. Arkansas. Qui sont en ce moment là. Dessus. Sur le web SDR. Ça passe pas. Enregistrez le break. Il y a du monde sur le vaisseau aujourd'hui. Ça arrive de partout. Alors, je vais enlever le filtre pour voir. Ah ben alors là. Oh la vache. Je me serais cru en FM. Comment ça envoie du steak? Ah ben tu m'étonnes, je t'entends par tous les trous. Les 73-51 de Dundee 33, 14 km 33-01 Rémi, sur le Castillonnet, c'est-à-dire à côté de Saint-Émilion. Ah oui, tu passes bien au QRA, tu passes comme un boulet de canon sur le web SDR de Ottawa. Donc autant dire que oui, ça passe partout. Merci Gilles. Merci Gilles.
C'est que les EMQRO, quand il y en a, on sait vers qui se tourner. On laisse les cons de côté, on va du côté des EMQRO. Et ce matin, j'ai eu la chance justement là... d'avoir des EMQRO en AM du côté des 40 cadeaux. La précédente vidéo. T'entends nulle part. Et où ? C'est spécial aujourd'hui, hein. C'est vraiment spécial, spécial.
Je comptais bosser sur l'ordinateur, mais là, pour le coup, je vais qu'à éteindre le poste. Ah, pour le nombre de cibistes en France, c'est pas moi qui le dise, c'est eux. C'est eux qui le disent, qu'il y a beaucoup de monde en France, sur les ondes. C'était un petit clin d'œil par rapport à des messages que j'ai vus et eus. Ce que je viens de dire, c'est vrai que ça demande une petite explication. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, sur les réseaux sociaux, certains arrivent sur les groupes pour dire aux gens de ne pas que ça ne sert à rien de se rééquiper, qu'il n'y a plus personne sur la CIBI. À mon avis, ça doit être des gros jaloux. Parce que je vois pas le but. En attendant, plus ça va, plus il y a du monde qui se rééquipe. Et c'est génial. Il faut juste que les stations qui squattent toute l'année les canaux supérieurs, les fréquences supérieures, viennent descendre un petit peu du côté des 40 canaux homologués, tendent la main au nouveau. Ça évitera de les voir au bout d'une semaine revendre le matériel. Et en plus de ça, vous savez pas à quel point c'est agréable pour soi-même d'aider quelqu'un qui débute. On a été débutants, nous aussi, hein, et on a apprécié de trouver du monde pour nous aider. À nous de renvoyer la balle pour ceux qui arrivent. Oh là 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 là. Vu la sifflette, en général, c'est bien du Brésil. Et voilà. Alors je suis un peu fainéant moi à ce niveau-là, très fainéant à ce niveau-là.
Du coup, je reçois pas plus de QSL. Normal. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai. Dans l'idéal, il faudrait que je sois en permanence connecté dessus, quand je suis en QSO comme ça. Et au fur et à mesure, rentrer et envoyer les EQSL comme je le fais, comme beaucoup de monde font. Aïe, aïe, aïe. Il y a de la vache folle. Elle a des gaz. Ouais, chez eux, là, il est 9h20. À 6h de décalage. Donc le calcul est vite fait. Wop. J'entendais dire qu'il roule que de nuit. Visiblement, au Québec, c'est dangereux de rouler la nuit. C'est là où il y a tous les animaux qui sortent. Les lourignanes, les... Oh, ben zut. Tous les gros animaux qui sont là-bas sortent sur les routes. Je l'ai pas entendu. Ah si. C'est vrai qu'il n'est pas évident à écouter. Il y a un problème avec le WebSDR de Montréal-Laval. J'arrive plus à le voir.
Là, celui-ci, c'est Montréal Centre. Ah, c'est sur Ottawa que ça passe, ce bruit. Merci pour le retour de micro, ça a été QRP, mais j'ai entendu quand même les 73-51 à lui, 14 km 33-01 Rémi, sur le Castillonnet à côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Bon, je crois qu'il est clair que lui, il m'entend pas. Là, sur le centre de Montréal, c'est pas gagné. Celui d'Ottawa est super bien placé. Quoi. Bon, il faut une recherche. Ah, bah tiens. Sud-ouest d'Ottawa. Est bien dégagé apparemment. Ah oui. Et là, Montréal, et oui, c'est dans le centre. Je suis étonné que je ne passe pas dedans. Parce que il est. N'importe quoi, j'étais parti trop loin. Voilà. Il est là. Thank you.
ça change rien. Ah ben voilà. J'étais plus sur la fréquence. Bon là ok c'est bon. C'est bondé, bondé, bondé. Gilles, la bravo Charlie 555, il a du mal à suivre. Allez, il faut encore plus de monde, plus de francophones dessus. Quand il y aura moins de monde, c'est pas gagné. Un cheval canigaz. T'es, et encore. Il y a le froid du Québec qui est arrivé chez Eric. Il y a des accents de partout. Oups, coupure vidéo. Ouais, sur un appareil photo caméra, il y a un compte à rebours dessus. Ça passe sur mon ballon.
sais pas si Rémi m'entend aujourd'hui. Ah si. Est-ce que je passe, moi, du côté des Girondes? C'est du 54, et tu passes comme un boulet de canon sur le web SDR de Ottawa. Les bonnes 73-51, toi Eric, en espérant que tout va bien de ton côté. Mais bon, vu qu'on t'entend, je pense que là, ça doit être super. Mais là, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a le froid du Québec qui a dérivé de ton côté, dans ton PC radio, Hachi. Merci, tous à retourner. Je renvoie le micro sur le chef d'orchestre. Je nomme Gilles, 9 bravo Charlie 555. Il y a quelqu'un qui parlait derrière. Tout en délicatesse. C'est peut-être mieux comme ça pour l'écouter. Quoique, il faut que je fasse la moyenne avec les autres stations. Là, ça devrait être bon. Pour entendre tout le monde, comme il faut. Mémoire qu'il a, il retient tout le monde. Oh, il a dû prendre des notes. Sinon, je vais être jaloux. Merci Jean-Luc, de la part de Rémi, à bientôt. Comment j'ai sauté sur le micro, hein? Attention, je te vois.
Toi, Yana, je vais te griller. Demain, il faut que vous soyez tous en fréquence. Tous ici, demain. Et demain, c'est l'anniversaire de qui? De qui c'est l'anniversaire demain? En plus, c'est passé comme comment ils disent, une tonne de briques. Oui, monsieur. Mais tu es sacrément courageux, toi, parce que là, moi, j'y arrive pas. Hein. Je suis allé vite fait là tout à l'heure sur Cluster DX, mais déjà, non, mais c'est, t'as une sacrée discipline à ce niveau-là, frangin. Oh oui. Ouais, ouais. Et demain, ça risque d'être pire. Je sais pas, mais j'ai entendu dire que demain. Il y aurait un événement spécial mondial, là, du côté du Québec. Ouais, 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 oui, monsieur. Oh, j'ai mal noté, ça a descendu un petit peu, t'as entendu dire que... Hurtez, les envahisseurs arrivent. La planète Mars Alpha Tango arrive. Ah.
Attends, excuse-moi, là j'ai. Pourtant, t'es passé fort, mais j'ai pas du tout eu Roger de ce que tu as dit. Ah, j'entends quelqu'un parler derrière. Ah, mec, c'est sur moi. Ah non, d'accord, j'ai compris, c'est un Alpha Tango. Ah bah c'est là que je me retrouve tout seul. La propague a tourné? La propague a tourné ou elle a trépassé? Non, je m'entends encore dans l'Ouest SDR d'Ottawa. C'est que ça s'est vidé d'un coup. Bon ben ok. Et s'il y a encore du monde, eh bien, les 73-51 tous, je vais passer, je me retirerai en pointillé. Et bon QSO pour la suite, et puis on verra ça demain. Alors demain, il va falloir surveiller le 625. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Demain, il y a quelque chose de spécial sur le 625. Préparez les bouteilles, j'en dis pas plus. Je dis ça, je dis rien. Ouais, la propague a chuté, 14 Zulu Golf. Ok, Eric, la propague ouais, a pas mal chuté, ça a tourné. Je me prends les Alpha Tango plein pot là de mon côté. Du coup, toi, tu m'arrives en très QRP. Bon, c'est pas grave, vu l'heure qu'il est, on a bien profité là de la fréquence, on a bien profité du Québec. Je vais passer en pointillé parce que du coup j'ai du boulot de mon côté mais j'ai rien fait. Alors les 73-51 tous, 14 km 33-01 Rémi, Dandy 33. Et oui, très certainement, oh oui, il faut, c'est même obligé. À demain sur la fréquence. Ah mais t'es là? Ah mais je croyais que t'étais plus là. Je croyais que la propague... Ah ben attends, je reste. je croyais que t'étais parti, que la propague avait tourné. Mais bon, non, tu passes toujours aussi fort. Oui, c'est ouvert la porte avec la 14. Juste à ce moment-là, Vazin, on a Eric aussi, là, qui est passé en double sur modulation, sur la fin de la propague, comme ça, des fois, ça arrive. Et 14 ou 51 sur mon moment-là, on va aller à la... J'ai mis la 600 sur moi, tout à l'heure j'étais en 600 QRP. Comme j'entends que je suis passé en QRP, mais non, puis maintenant. Très bonne continuation, très bonne soirée, et je lui dis à bientôt. Eh bien du coup non, puis maintenant. La propague est toujours là, la propague, la porte est toujours ouverte, et bien je continue. Eh bien, t'es remonté à 54-55. Ok, j'ai compris, tu étais en petite puissance tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai cru que je te perdais aussi avec. Et Gilles devait être en train de rentrer les indicatifs sur Cluster DX à tous les coups. Et eh bien, on n'est que des mecs, on sait pas faire deux choses à la fois. Ah, chi. Bon, ben, de toute façon, la propague est toujours là. Ok, ben, je continue, hein. Je reste là dans l'équipe. Oui, c'est là, oui, j'entends. Si vous entendez quoi, les sirènes, vous entendez la même condition.
T'as pour passer, ça passe. Ok, merci. Mais et en QRP, je t'entendais aussi, hein. Mais bon, tu passais d'un Santiago, d'un signal confortable à un signal de 1,5 point, hein. Mais bon, ça passait quand même, hein. En plus de là, en plus de ça, au moment où tu as parlé en QRP, j'avais aucune surmodulation de mon côté, donc c'est passé quand même. Ah zut. J'ai pas fait gaffe du coup. Ah si, il y a quelqu'un derrière. Oh, c'est petit là. Oh. Ah zut, désolé. Petit moment de déconcentration, du coup j'ai pas fait gaffe à qui tu passais le micro. Ouais, je disais à Eric que même en QRP, là au dernier passage, là quand il te parlait, je l'entendais quand même. Je l'entendais avec un signal de 1,5 point quand il était en QRP, mais ça passait quand même. C'est ça qu'il appelle QRP ? Et moi avec mon petit 40 canaux 4 watts ? J'ai allumé la base qui est là en dessous. Non, là la carbone trouve sa limite. Oh, lui il doit passer. Ça fait caca. Cacophonie. Cacophonie. Zut. Alors, si j'utilise pas plus la base, c'est qu'il faut que je la fasse régler. Là, vous avez vu au niveau du clarif, au niveau de la réception ce que ça donnait, j'étais bien dessus. Alors que j'ai le clarifieur qui est entre 9 et 10 heures. Ça fait quand même beaucoup. Donc quand je pourrai, je l'emmènerai à SAV Radio 33. Quand il va voir la base, il va se régaler. Avec des chromes de partout, des jolis pare-chocs chromés et tout. Bon d'accord, pour les chromes, ça c'est vrai.
Oh, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit derrière. Eh bien, j'en profite. N'hésitez pas à aller voir le calendrier là sur la planète, sur le forum de la planète Sibi francophone. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir le calendrier là sur le forum de la planète Sibi francophone. Il est constamment évolutif. Hein. Donc il y a des nouveaux trucs et tout ça. Et concernant le Québec. Et concernant le Québec, au mois de juin, il va y avoir justement quelque chose. Ah là, la propague a tourné, là. Je crois que la propague a tourné, là, ce coup-ci. Bah, je comprends pas, là. Non, c'est là, là. Alors, je vais essayer de bien parler, hein. La zone d'étalement de la propague... Qui a pris davantage d'ampleur et du coup englobe d'autres pays. Il y a un site qui est pas mal, c'est Solar.com. Ah oui. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là c'est bien dirigé vers nous. Hein. Oui, oui, oui. Voilà ce qu'on s'attrape en ce moment. Voilà ce qu'on s'attrape en ce moment. Ouais. Ah, puis c'est tout autour. Donc là, ça peut passer, effectivement. Et je viens de relancer à nouveau... Fin de coupure vidéo pour relancer avant de me faire surprendre. Ah oui, il passe bien. Vous voyez toutes ces trames qu'il y a là, c'est il y a du monde partout. Tout est en côté, mon ami. Tout est en côté.
Le temps que ça se réactualise un peu, qu'on ait un truc un peu, qu'on ait quelque chose d'un peu plus joli. Là, j'ai isolé que la CB. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Oh là. Là, sur la gauche. On doit trouver le canal 6, le canal 11, le canal 19, ou peut-être dans ces environs-là. Oh, ça doit être le canal, la fréquence Facebook. Merci beaucoup, Eric. La 65, c'est un bon après-midi en ligne. Et puis, si tu es sur la radio, c'est bon, c'est bon. Et puis, bon petit gâteau solide pour tantôt. Et puis, si ça te joue à notre santé. Et puis, bisous à madame. Et puis, merci beaucoup de. Merci Eric, les bonnes 73, 51 à toi, bonne fin d'après-midi et à demain pour une surprise. Alors j'ai entendu quelqu'un en QRP là sur le WebSDR d'Ottawa. Les 73 à station, 14 km et 33,01 Rémi sur le sud-ouest de France dans le secteur de Saint-Émilion. Je l'ai pas entendu avant ça. Ça va être coton pour le travail des vidéos. Pour le travail des vidéos. Merci beaucoup. J'espère que ce soit tout reçu de l'air de ton côté, que la température va pas tout geler.
Maintenant, oui, c'est le Québec, hein, voilà. Il s'est fait kidnapper par sa femme. Et ils sont pas allés très loin. Ah, pourquoi il n'était pas là ce week-end? J'ai vu des photos, c'est sympa là où ils étaient. Aïe, aïe. Alors, tu t'es fait kidnapper par ta femme ce week-end, alors, Gilles. Comment tu dis ça, par exemple? Je disais, ce week-end, tu t'es fait kidnapper par ta femme. Oui, elle m'a kidnappé pour la fin de semaine, hein. Et puis, il y en a qui se demandaient si j'étais encore vivant sur le Québec. Et oui, ben, c'est le retour. Ah ouais, 100% QSL, et vu les photos, oui, c'est vraiment très joli, hein. Ça fait envie, hein. Oui, monsieur, ça fait envie. Oui, QSL. Quelle est la fréquence sur mon compteur de fréquence en sortie? Hop là, t'as bougé au niveau fréquence. Eh bien, ah, pourtant, je suis bien sur le 625.00. Et attends, je relâche, je reprends. 496. Ok, tu es sur le 62496. Enfin, 62495, 62496. Là, mais avant ça, tu étais sur le 625.1. Voilà, avant ça. Tu vois, comme quoi, là, il faut vraiment pas grand-chose. Hein.
c'est mieux là. Ok, tu es sur le 625. Alors, je vais chipoter 02. Voilà. Tout à l'heure, en fin de compte, j'ai dit une connerie. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais sur le 625.1. Non, tu étais sur le 625.01. Mais c'est que j'avais équilibré pour entendre tout le monde correctement. En réalité, tu es sur le 625.02. Donc c'est vraiment un poil de... Bon bref, tu m'as compris. Chipote pas avec ça. J'ai joué du clarifier de mon côté. C'est bon, c'est, tu verras ça dans la vidéo. C'est nickel, hein. Ça passe très bien, quoi. Je cherche mes mots à chaque fois, moi. Tu as redescendu là. Alors pour les alors, moi je clarifie, je te suis au fur et à mesure. Hein. Voilà, au niveau du clarifieur, pour ma part, c'est pas un problème. Mais pour les écouteurs, pour ceux qui sont feignants du clarifieur, vaut mieux que ça soit un poil au-dessus. Parce que tu as une voix qui est assez grave quand même. Ouais, voilà, là comme ça c'est nickel. Voilà, tu es sur le 625.05. Autrement dit, 02, pardon. Autrement dit, tu es quoi? Tu es 20 kHz au-dessus. Mais vaut mieux ça que l'inverse, où là par contre ça te fait une modulation trop grave. Là comme ça, c'est nickel. Je t'ai suivi là. À ton prochain passage, je vais me remettre en terminaison 0. Comme ça, tu pourras voir sur la fin de la vidéo. Autrement dit, ben regarde l'heure de ton côté. Si tu veux voir exactement ce que ça donne, alors il est 16h12. Voilà, voilà exactement. Il est 16h12. 16h13 même, pardon. Il est 16h13. Je te repasse le micro et je me remets là sur en terminaison 0 de mon côté au niveau du clarifieur pour que tu puisses voir dans ce passage ce que ça donne. Voilà, là tu verras là ce que ça donne, justement là ce passage-là. Ben, disons, ouais peut-être, je sais pas. Je j'y connais pas assez. Toi, tu connais davantage que moi là à ce niveau-là. Entre toi et moi, c'est toi le pro. Hein. J'en dis pas plus, Hachi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le poste que tu as, vu les composants qu'il y a dedans, même si j'y connais rien du tout en électronique, si je me trompe pas, les résistances et tous les composants qu'il y a dedans ont une tolérance de 5%, je crois. Hein, si tu confirmeras ou pas ce que je viens de dire. Donc c'est normal que, suivant la température, suivant combien de temps tu vas relâcher le micro avant de le reprendre, qu'il y ait des petites déviations comme ça. Mais couper le poste de temps en temps, c'est quand même mieux. Là, tu l'as coupé tout le week-end, là, c'est très bien, quoi. C'est, au moins, ça lui permet de se libérer, de se décharger de l'électricité statique accumulée dans le poste. Alors, j'y connais rien, mais comment certains appellent ça les courants... Ah bah zut, ah bah ça va pas me revenir. Zut, les différents types de courants qu'il y a dedans.
Ah ben zut. Bon ben tant pis. Bon, c'est pas grave, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Les différents types de courants qu'il y a dans le poste, ben, ça permet de purger tout ça et redémarrer comme il faut après, quoi. Des courants de bas, non, c'est pas bas. Ouais, c'est ah, j'arrive pas à retrouver le mot. Bon, bref, oui, ben il faut le purger, hein, de temps en temps, le poste, hein. C'est important, justement, de le purger, et c'est ce que je fais moi à chaque fois, hein. C'est alors, un truc que tu peux faire en plus, c'est que une fois que le, de temps en temps, comme ça, à l'occasion, ce que tu aurais pu faire ce week-end, justement, c'est une fois le poste éteint, l'alimentation coupée, c'est essayer de le rallumer, et là, ça le décharge complètement, là. Ça le purge complètement, là. Attends deux secondes, dans ces cas-là, attends, et il est déjà 16h15, 16h20 là, de mon côté, là, entre les deux. Donc 4h15, 4h20 p.m. de ton côté. Il faut que je me mette au travail à un moment donné, parce que du coup, j'ai rien foutu. Je vais sauter sur l'occasion pour passer en QRT, les 73-51 Frangin, et puis attention demain, ça va chier demain. On va pas te rater demain. J'ai rien dit, hein, t'as vu, j'ai pas dit de quoi il s'agit pour demain. Mais demain, je vais pas te rater. Ah, chi. Donc, la bonne journée. La bonne journée à toi, Frangin. Et à demain. Merci, tout ça retourné également de ton côté. J'attaque de suite là le avant de me mettre au travail comme je l'avais prévu. Je vais de suite me mettre sur le travail de la vidéo, parce que je sens que là ça doit être coton aussi de ton côté. Il va y en avoir bien ouais, peut-être 3 ou 4. Oh, je serais pas étonné. C'est vu la durée, parce que je vois de mon côté, j'ai redémarré plusieurs fois. Je vois la batterie de ma caméra qui est en train de bien se vider. Ça va pas être mal. Sauf que moi, je me fais pas chier, je fais ça en une seule vidéo. Les OM ont qu'à regarder. Ah oui, putain, c'est un détail qu'on oublie à chaque fois de dire. Quand on commence QSO, quand il y a pas mal de monde en fréquence, regardez l'heure de votre QSO pour retrouver après le moment précis où vous êtes dans la vidéo. C'est va faire qu'on prenne l'habitude de dire ça. Allez, Frangin, les 213-51 à toi, 212 au QRA, et à demain, si la propague le veut bien. Neuf. Vous allez tourner ensemble, pensez à faire comme toujours à l'art et à la tête pour écouter, vous écouter, entendre votre chuteau avec le Québec.
Affirmatif. Et j'ai regardé l'activité solaire là tout à l'heure pendant le QSO. Elle est plein pot là. On est en plein dedans là. Allez, je te laisse. À plus tard, Gilles. Je vais laisser courir un petit peu. Hey, je croyais que tu devais aller aux toilettes. Oups, la Normandie. La station qui s'est manifestée, c'est la Normandie. Le Québec est de retour à 56 minutes. Notre drop au Charlie 555. Vous envoyez les 75, 51. Et puis si vous êtes toujours à l'écoute à mon retour, ben on reprend le QSO pour le Québec du journal. Il est excellent, le. J'ai entendu parler d'ailleurs. Oups, je suis arrivé en courant. J'ai entendu quelqu'un appeler là-dessus. Ça n'avait pas l'air très très loin. Les 73-51, la station de Dandy 33, Rémi. J'ai reconnu le message sur la vidéo de ce matin. Oui, exactement, oui. Ok, des 73-51, Rémi, Dandy 33, ou 14 km 3301. Eh bien, tout l'après-midi, là, on était ici, là, c'est vraiment un hasard que je sois resté sur la fréquence, si bien parce que je suis pris sur l'ordinateur par la même occasion. Et du coup, je suis resté comme ça, comme je serais resté ailleurs, quoi. Chie trois coups. Donc là, on a passé tout l'après-midi avec le Québec, la frontière franco-belge, d'autres départements français, d'autres QTH. Je crois que ça devait être les Antilles ou la Martinique, je sais plus trop. Il y avait un petit peu tous les coins. Et demain, on remet ça. Ah oui, moi, c'est juste arrivé, c'est pour ça que je viens juste de voir son message. J'ai dit, je te l'appelle pour voir s'il est encore là. Ben oui, c'est vraiment un coup de chance. C'est vrai qu'en principe, je reste pas comme ça, là, à attendre une fréquence. Mais bon, c'est vrai que là, je suis... Alors, pour tout te dire, là, je m'apprêtais à attaquer le travail de la vidéo de cet après-midi. Bon, t'as vu ce matin, là j'allais commencer, puisque tu connais mes vidéos, je viens de transférer là sur l'ordinateur tout ce que j'ai fait là, du côté du web SDR qui lui est sur Montréal. Donc là, là ça va être costaud là, parce que j'ai cinq morceaux là, cinq longs morceaux de vidéos. Waïaï, ça craint. Alors je vais essayer de voir un petit peu comme ça, que je vois. Ouais, il y a peut-être 1h50, 1h55 de vidéos en tout et pour tout, quoi. Et là, justement, pour que tu puisses voir ce que ça donne, alors repère l'heure, 17h05, et ben, que j'ajouterai à la fin de la vidéo dans la continuité, quoi, en quelque sorte. Ben si, c'est ça. Ah, bien reçu, ouais, ça fait du travail, ça, hein. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est tout ça. Je sors de la crème, en plus, et c'est pour tester. Mais ça marche bien, parce que je pensais que depuis une course, ça n'avait pas marché. Comme ça passait pas avant, mais maintenant, ça va. Ah bah oui, hein, c'est pas énorme, ça navigue, alors le premier coup je crois que tu me passais un petit peu plus fort, là ça navigue entre 3 et 5,
Bon, maintenant, on ne donnera pas trop le QTH, tu as une vingtaine de kilomètres de chez moi à peu près. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Non, non, c'est pas loin, non. Là, je module avec un Alinco, là, X77. Un Lincoln 1, si je me trompe pas, c'est les premiers Lincoln, hein, c'est ça. C'est le Alinco. Désolé, j'ai mal compris. Alinco, Alinco, d'accord, ok. Ouais, il marche bien. Ah bah oui, oui, je confirme, hein, puisque là ça, la modulation est bonne et tout, ceci, cela, c'est tout cuiro, là. Ah oui, c'était du matériel, mais il marche bien. Hein. Bah oui, bah je vois ça, oui, effectivement. Hein. Mais je t'entends pas très souvent, hein. T'as pas trop le temps de moduler, j'imagine. Hein. Il y a le pro, il y a tout ça, c'est pas toujours évident. Quoi. Puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes horaires du tout. Quoi. Ben oui, c'est comme là ce matin, ben oui, t'as entendu, j'ai eu Billy 2-4, j'ai eu d'autres stations du 24, alors c'est très, vu là où je suis, c'est extrêmement rare quand j'arrive à avoir du monde de ce côté-là, quoi. C'est avec la colline de Samagne de Castillon là qui fait le tour de chez moi, c'est toujours très très compliqué, quoi. Et bon, ce matin, c'est quand même passé. Ouais, j'ai vu ta vidéo de ce matin, et c'est là que j'ai commencé, ouais. Ben, j'aurai du calateur, ouais, c'est intéressant, quoi. C'est, ouais, et toi, Billy 2-4, alors lui, il est excellent, lui, je le connais de visu, il est super comme OM, et je suis déjà allé chez lui, il a des antennes de partout. Bon, d'après ce qu'il me disait ce matin, justement, il doit en réparer une, mais autrement, il a des antennes de partout. Je chie trois coups. J'attends de déménager pour un petit vent. On va voir. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est comme antenne déjà? Je m'en rappelle plus. Comment ça s'appelle? Ah, je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. C'est une antenne de fixe ou une antenne de voiture? Une antenne fixe. Ok, une antenne de balcon peut-être, avec un radiant qui plonge vers le bas. Oui, c'est... Allez, il n'y a pas de radiant, il y a sur le tube, et le tube est... Oh, je crois que j'ai compris. Sur le fil, pas le fil à neige, mais le tube, c'est la neige de dehors. Un peu quoi ça s'appelle la ferraille. Ok, d'accord. Alors, si je vois bien l'antenne, elle ressemble un petit peu à un tube noir, quelque chose comme ça, non, c'est ça? Elle est en fibre de verre, elle est blanche. Ah, zut. Blanche? Une antenne de fixe blanche? Ou peut-être une antenne marine, peut-être? Tu me dis petite, elle mesure combien comme ça d'après toi? D'accord, là comme ça je vois pas trop. Hein. Ouais, tu veux dire qu'elle doit mesurer dans les 2 mètres, quelque chose comme ça, quoi. La photo pour te l'envoyer. Ah oui, ouais, ça m'intéresse bien parce que ça me titille. Ça me titille d'autant plus que là, comme ça, à la seconde, je vois pas trop. Antenne de fixe de cette taille-là, il y a tellement d'antennes aussi, quoi, c'est pas évident. Quoi. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Je vais attendre d'avoir photo et je te l'enverrai. Ok, d'accord. Ouais, je vais te laisser faire le montage. C'est une bonne soirée, à plus tard, mais si j'arrive à te faire tout demain.
Avec plaisir, j'imagine que si t'es pas venu plus tôt, c'est parce que bon, bah, il y a le boulot, il y a ceci, il y a cela, quoi. Et c'est bien dommage, parce que là, aujourd'hui, le Québec, surtout Gilles, 9 Bravo Charlie 555, il arrivait, mais comme un boulet de canon, là, ici, hein. Tu verras ça dans la vidéo. Enfin, moi, tu verras pas ma réaction, mais quelquefois, j'ai dû reculer, quoi. Il me défonçait les tapants, quoi. Parce que j'avais réglé le volume un peu pour tout le monde, mais lui, à chaque fois, waouh, ça passait plein pot, quoi. Ouais, je vais pas trop m'attarder non plus, hein. Faut à un moment donné savoir s'arrêter aussi, pour parce que là faut que je me mette dardard justement sur le travail de mes vidéos, parce que là ce soir ou dans la nuit ou demain matin va falloir que je travaille ces vidéos à lui justement à l'OM du Québec. Chie trois coups. Je bosse pour tout le monde et bénévolement en plus. Chie. Donc, ok, merci pour le QSO, les bonnes 113-51 à toi, et peut-être à demain, sinon à la prochaine. Ok, en venant à Gilles ce matin, ouais, sur la vidéo, j'ai bien entendu, ouais, il passe bien, vous avez entendu qu'il était assez fin, voilà, et je vais vous indiquer tout, c'est 14 kilos, 23, opérateur différent, je ne sais pas si vous l'avez, Attends, t'as un petit peu mal passé. 14 km, 33 ou 33, 63, je sais pas trop. 14 km, 33, 23. 33, 23, Tristan. Ok, d'accord. Ah ben, je vais vite te retrouver. Je vais directement, voilà, sur le site Kilomike. Alors, carte kilomètre. Que je vois ça. Non, c'est pas cette carte-là que je veux. Alors, tac, voilà. 14 kilomètres. Voilà, Cobra 33. Ok, oui, bien sûr. Ok, voilà. Maintenant, ça me revient là pour pour l'indicatif. Ok. Ok, Cobra 33, ici, sur c'est vrai, vu la fréquence où on est, pardon, 14 km, 33-23, Tristan, merci pour le QSO, les bonnes 113-51 à toi, à plus. Merci, bye, à plus. Hop, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était encore lui. Ou alors, si c'est lui, il a dû éloigner le micro. Bon. Il a vraiment eu de la chance, parce qu'en principe, je redescends tout naturellement. Oh, là, il va y avoir... Sur la fréquence kilowatt. En général, c'est là que je redescends systématiquement. Le matin, je suis plus du côté des 40 canaux. Eh bien, j'y suis là aussi. Bon, d'accord. Je suis plus du côté de 19. Parce que les stations locales se retrouvent le matin de ce côté-là, surtout. Et après, la propague étant bien là, beaucoup basculent sur les sup. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un poste multimode. Et systématiquement, c'est ce qu'on conseille aux OM, aux nouveaux, ou aux anciens qui reviennent, de prendre des postes multimode. Alors les fabricants, il n'y a pas beaucoup de marques qui font de vrais postes CB ou sous-homologation CB. Les postes multimodes, pardon, je m'étrangle, j'ai pourtant pas dit de conneries. Il serait peut-être temps que vous remettez au travail. Hachi. Ouais, je dis ça parce que, curieusement, tous les postes mobiles multimodes que l'on trouve maintenant, sauf un ou deux du côté de chez Président,
Tous les autres sont sous homologation radioamateur. Alors que jamais un radioamateur va utiliser un poste avec l'affichage des canaux. Lui, ce qui l'intéresse au radioamateur, c'est l'affichage de fréquence, rien de plus. Alors pourquoi cette volonté d'homologuer les postes multimodes en radioamateur? Perso, je comprends pas. Il y a un mystère quelque part, je comprends pas trop. Alors que ces mêmes postes pourraient tout simplement homologuer CB, voilà, tout simplement, Citizen Band, CB, en multi-normes, suivant les pays. Et ça attirerait beaucoup plus de monde. Parce que certains, le fait que de voir que c'est sous homologation radioamateur à débrider, ben ça les freine. Et ça se comprend. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80-90, les postes non homologués et les postes CB débridés, la NFR, tout ça, les gendarmes, tout ça, on faisait la chasse. Puisque j'ai même vu, dans les années 80, fin des années 80, milieu fin des années 80, des stations avec des postes non homologués se retrouver face aux gendarmes qui leur demandaient de démonter le poste, de le poser devant la roue de leur voiture et de rouler dessus. Ah oui, ce genre de pratique, ça s'est fait. Alors quand je vois certains crier au scandale ou au loup aujourd'hui, faut pas oublier qu'avant c'était pire hein, au niveau réglementation. Ça pardonnait pas. Hein. Dans le meilleur des cas, le poste était confisqué. Bon, ce qui revient au même au bout du compte, de toute façon. Et il y en a pas mal qui sont restés encore dans cet esprit-là et qui recherchent plus du poste CB, vrai CB, même débridé. Allez, ce coup-ci, je m'échappe. Et à plus. Les 73-51, 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, la planète CB francophone.